Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 30 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. On peut presque sentir le vent caresser évidemment nos joues, c'est incroyable. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. 4K 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. On se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu comme cadeau de Noël 2022. Évidemment, ça me ferait très plaisir qu'on partage ces petits moments et j'essaierai de répondre à un maximum de commentaires. C'est juste sous la vidéo. Maintenant, il faut y aller. Allez, on y va. Let's go. On va suivre notre nouvelle rencontre. Heimdall. Les étrangers se sont vus accorder ce privilège. Encore moins deux géants. Mais oui, okay. Si ce n'est pas fixé au sol, c'est que tu dois pouvoir le prendre. Voilà qui impressionnera tes hôtes. Oh, tu en as déjà assez vu? La pierre angulaire de la civilisation dans les neuf royaumes n'est pas à ton goût. Intéressant. Non. Allez, pose tes questions. Comment savais-tu que j'allais en poser? C'est mon travail. Question suivante. C'est quoi ton travail? Je protège le royaume que j'aime des ennuis potentiels. Et tu me considères comme tel? Tu me connais à peine. Pourtant, je sais déjà que tu es impatient de faire tes preuves. Beaucoup trop impatient. Je devine que tu vis dans l'ombre d'une figure paternelle que tu ne pourras jamais égaler. Bien vu. Je devine également que tu es irrespectueux, impulsif et que tu te crois tout permis. Tu ne connais rien de moi. J'aide les gens. Oh, tu serais donc ici pour aider quelqu'un? Non. Non, tu es ici pour aider nul autre que toi. Pour manipuler et mentir à quiconque pourra t'obtenir ce que tu recherches. Je sais que tu es jeune, malgré ta voix enrouée par l'ascension, mais j'ai rarement vu âme aussi perverse. Ah. Tu es le chaos dans de beaux habits d'archer. Tes lèvres s'animent et je vois des cités brûler. Rien de bon ne sortira de ta présence à Asgard. Ah! Faut peut-être prendre en compte cet avertissement, je pense. Si tu es ici pour aider le père de tout et que tes intentions ne sont pas malicieuses, cela fait de nous des alliés. Okay. Gulltopper. Qui est-ce qui m'aime le plus? Qui est-ce qui m'aime le plus? Nouvelle monture, très bien. Wow, c'est presque aussi impressionnant que Baldur domptant un dragon. Baldur n'avait pas à se soucier des brûlures qui lui étaient infligées. J'utilise ma tête et je les asservis à la loyale. Wow, ce sont tous des dieux As? Quoi? Tu t'imagines que tous les As sont des dieux? Mais Skjoldr a dit que seuls les... Eh bien, si Skjoldr l'a dit, qui que cela puisse être, il en connaît manifestement plus sur les dieux As que le dieu As auquel tu t'adresses en ce moment même. Donc tu ne sais absolument rien de notre culture. Je sais plein de choses. Je sais qu'un géant a bâti ce mur. Un géant aurait bâti le mur qui tient les géants à l'écart. Primtur, fils de Tamur. Je connais toute l'histoire. Vraiment? Oh, je suis vraiment impatient que tu m'abreuves de tes contrées visionnistes sur l'histoire architecturale d'Asgard. Enfin, il doit c'est avoir une ça, magnifique... Magnifique vue d'Odin. Tu penses que le père de tout aurait besoin de se glorifier tel un vulgaire chef mortel? J'imagine que non. Ceci est le grand pavillon que le père de tout a construit de ses propres mains. Désolé si tu le trouves décevant. Vois-tu, le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être étalé à la vue de tous. Il se manifeste le moment venu. N'es-tu pas d'accord? Yeah! Hé, hey, soldat, voilà votre nouveau mannequin d'entraînement. Je croyais qu'on allait voir Odin. Oui, je sais, seulement tes intentions sont malicieuses. Alors je ne peux te laisser continue. Montre-moi tous tes plus mauvais trucs. Ok. Ah, désolé là, on va devoir se concentrer. J'ai pas de pierre de réa qui fonctionnera sur moi.
Voyons ce que tu as dans l'avant. Oh, je suis incroyable. Wouh. Mort. Je vais garder cette petite un ennui. Devine qui prend la suite. Tu veux vraiment faire attendre Odin? Tu sais quoi? Je crois que oui. Oh, oui. Ah. J'en suis même certain. Ouais, bah alors là... Ça va être très embêtant. Oh non! Des flèches! C'est terrifiant! Oh, mais comment fait-il? Ok. Oh, c'est désespérant. Tu ne m'empêcheras pas de voir, Odin. Tu le verras depuis ta tombe. Ah, ce que tu dis n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu sais faire? Comment as-tu survécu jusqu'ici? Et... Oh, là, j'ai senti quelque chose. J'espère que tu en as encore en réserve. C'est tout? N'as-tu que cela à me montrer, Yotsura? Même ça n'a pas marché. Là, je suis vraiment okay. Bon, il est immortel. Puisque... Tu te doutes bien. Waouh. Je dois bien l'admettre, Loki. Je suis profondément déçu. Tu ne devrais pas te relever. Merde. Te fatigue pas. Que ça te plaise ou non, c'est l'invité d'Oda. Je t'ai senti arriver. Fais un pas de plus et tu vas le regretter amèrement. Ah oui? Et comment tu comptes t'y prendre pour m'arrêter? Regarde-moi dans les yeux. Toujours motivé. Malade. Loki, te voilà. Je suis très honoré. Tu as donc rencontré Heimdall. Il lit les esprits pour moi. L'enfant est fourbe, père de tout. Ce jeune homme que j'ai convié est couvert de boue. Tu peux m'expliquer? Il entend vous trahir. Oh. Est-ce vrai, Loki? Serais-tu malhonnête? Je te fais marcher. Bien sûr qu'il compte me trahir. Heimdall, pourquoi serait-il venu? Il n'a aucune raison de me faire confiance, pour l'instant. Mais il se pose d'importantes questions. Et j'ai tellement de réponses à lui donner. Que fais-tu encore là? Va-t'en. Allez, oust. Avec joie. Ah! C'est incroyable. Et toi, va donc te laver. Père de tout. Oh. Siarafa, Heimdall, tu veux bien te détendre? Comptais-tu me tuer dès ton arrivée? Tu vois? Quoi, cette réponse ne te suffit pas? Hors de ma vue! Il est lourd, je sais. Très perspicace, mais il oublie parfois de réfléchir, vois-tu? J'ai quelques petites choses à faire. Viens avec moi. Ok, c'est trop stylé. Alors, comment ton père a-t-il accueilli ta décision d'accepter mon invitation? Mieux vaut éviter de parler de mon père. À ce point. Je le comprends. Entre mon ex-femme et mon ancien serviteur contrarié, on ne lui dresse pas le portrait de moi le plus objectif. Mais toi, tu es curieux, ouvert d'esprit, c'est important. La manipulation a déjà commencé, mais vous en doutez bien. Faites comme si je n'étais pas là.
Pour être tout à fait franc, Loki, tu as de la chance que mon offre tienne toujours malgré l'évasion de tir. Je suppose que souffrir sa présence est une punition suffisante, n'est-ce pas? Au moins, Mimir n'a pas perdu son sens de l'humour. Écoute, tout ça, c'est du passé. Je préfère me tourner vers l'avenir. Entraînez-les, mais évitez de les tuer. Frappez au-dessous du cou, d'accord? Est-ce ainsi que cela se passe quand je ne suis pas là? Père de tout. Reine Knarr. Les Enériars attendent votre bénédiction. Je suis là pour ça, n'est-ce pas? Les Valkyries ont donc une nouvelle reine. De bons soldats, ces Enériars. Mais ils reviennent du Valhalla un peu embrumés. Je prends soin d'eux. Je les aide à se rappeler qui ils étaient de leur vivant. C'est important, tu ne crois pas? Cette notion d'identité, elle nous donne du sens. Munfinafun, Hrothgar. Munfinafun, Gor. Munfinafun, Yana. Très bien, continuons. Ok. Les lire. Bien, ils sont pour lui. J'ai cru comprendre que tu aimais lire. Ce n'est qu'une toute petite partie de ma collection personnelle. Merci. Jorgen, j'espère que ce n'est pas une odeur de champignons. Écoutez, j'apprécie votre offre. Mais je ne vois vraiment pas ce que vous attendez de moi. Pour l'instant, tu visites, Loki. Chaque chose en son temps. Attention, Carl. Mais, sauf votre respect, il faut que vous sachiez. Je viens étudier, pas vous servir. Je n'ai ni besoin d'un autre serviteur. Ce qu'il me faut, c'est quelqu'un de déterminé et de curieux qui saura prendre des initiatives. Très appétissant. Est-ce braisé? Mais pourquoi moi? Parce que je suis un demi-géant. Et alors? Dors aussi. Erland, tâche de ne pas t'endormir, veux-tu? D'accord, mais... Écoute. Ne cogite pas trop. J'ai un projet qui, je pense, pourrait t'intéresser. Une formidable chance d'apprendre. Pour tous les deux. Qu'arrivera-t-il à ma famille et mes amis? Je veux être sûr que personne ne sera blessé. Pourquoi irais-je blesser quelqu'un? Depuis le départ, je ne fais que réclamer une trêve. Tu le sais bien. Bon, tu es là maintenant. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Nous sommes presque à ta chambre. Ma chambre? Ouais, juste ici. Tu es libre d'aller et venir. Prends ce qu'il te faut. Fouille autant que tu veux. Tu n'es pas mon prisonnier. Et par-dessus tout, je ne suis pas ton père. Oh, quel manipulateur. Père de tout, un nouveau problème requiert votre attention. Je ne suis pas ton père, mais il se fait appeler deux secondes après le père de tout. Je te présente Loki. C'est lui? Ici. Chez nous. Formidable. Ma diplomate. Est-ce que tout va bien dans le nouveau Midgard? Les réfugiés vont bien. Le problème vient des nains. Vous savez qui est de retour? C'est toujours cela de pris. Repose ces livres, nous avons une dernière chose à faire. D'accord. Très bien. Je suis là. Où est-il? Qui? Il est juste là, père de tout. Sire. Durlin, cela faisait longtemps. Qu'y a-t-il cette fois? Aucun problème si vous cherchez à construire des pièges mortels explosifs. J'ai validé leur conception personnellement. Et cela ne date pas d'hier, par ailleurs. Viens-tu seulement de te réveiller avec l'envie soudaine de m'irriter? Qui c'est, ce gamin? Vous formez des tire-laines? Je vais te dire, Durlin. Tu empestes l'hydromel bon marché. Et c'est de loin ton trait le moins repoussant. Écoutez-moi bien. C'est moi, votre seule source de revenus, qui vous parle. Je veux que vous sachiez que j'ai confiance en vous. Confiance en votre capacité à me fournir ces machines comme promis. Dans les temps, au prix convenu et bien sûr en toute sécurité. Les nains ne m'ont jamais déçu. Cela ne va pas changer maintenant. Si? Bien. Ah,
Très bien, mon grand. Je te laisse souffler un peu. Quand tu seras prêt à te mettre au travail et à chercher des réponses, retrouve-moi dans mon bureau au bout du couloir. Ok. Oh, et commence donc par te changer. Quelle erreur on a fait, les gars. Regardez dans l'armoire. Juste avant cela... Voilà, c'est bien ce que je pensais. Élargis la zone d'effet. Ok, ça en prend, c'est pas mal. Les ennemis marqués par les flèches sont moins résistants à l'étourdissement. Atreus obtient une flèche runique supplémentaire. C'est pas mal, ça. Combien ? Ça vaut 5000. En fait, la flèche runique, ça me paraît pas mal. Ok. Bon, allez. De toute façon, on va essayer de tout avancer. On n'a pas trop le choix. Voilà. On s'est débloqué pas mal de petits trucs. Let's go. Ah, Odin a commencé son taf, les gars. Ça sent pas bon. Non, je suis un fou, moi. Je suis un fou. On réouvre immédiatement. Ok. Récupérer, forcément. Je pourrais sans doute essayer ça. C'est un peu moins sale, déjà. Ok. Donc, une armure. Un arc. Oh, je peux utiliser ça. Et une recharge runique. Ah, bel équipement. Sur quoi je peux travailler ? Dégâts d'état nettement accrus, le renouvellement des capacités à l'arc est réduit. Les flèches ordinaires sont tirées par salve. Ok, on va équiper celui-ci, s'il vous plaît. Ok, on va l'améliorer, s'il vous plaît. Très bien. Très très bien. Ça j'ai déjà. Hop 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 hop. J'ai fait une petite bêtise. Bon, c'est pas grave parce qu'on peut le faire maintenant. Alors, déjà l'armure. Souvenez-vous. Ah ouais. Bon, elle est stylée par contre. Hein. Taillée sur mesure pour Loki. Elle est stylée de ouf. Toc. Ça c'est équipé. Restaure immédiatement une pour la remplacer. Ok. À place de détonation fatale ? Non ? Inflige considérablement plus d'effets. D'attaquer quand les ennemis agissent. Nettement plus de dégâts. Ah putain, mais tout est intéressant en fait. C'est pas grave. Allez, passons à la suite. Let's go. Tout est très 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 intéressant. Oh, voilà les portes. Oh ! Loki, c'est ça ? Sache que l'ironie de la situation ne m'échappe pas. C'était sa chambre, tu sais. À qui ? À mon frère. Ton frère ? Maudit. Ah ! Ton frère. Maudit soit ton frère. C'est vrai ? Ah ! Je... Non, ça veut rien. Là, elle est à toi. Bienvenue. Trou de torse de tir. Ça va ? Tu n'auras aucun mal à prendre sa place. Il ne manquera à personne, Loki. Crois-moi. Viens avec moi. Tu oublies ton épée. Oh, quelqu'un va s'en occuper. Oh.
Ok, c'est une... Dis, de quel genre d'épée il s'agit? D'un nouveau genre. Elle est unique. Mon père me l'a offerte pour ma formation de Valkyrie. C'est pour devenir Valkyrie? Tu as le temps d'en discuter? Je me rendais justement à la grande salle. Mais si tu as du travail, le bureau de grand-père se trouve en bas de ces escaliers. J'ai possiblement le temps d'en discuter, moi. Attends, Bibi. Comment devient-on une Valkyrie? D'abord, je m'entraîne à fond. Ensuite, j'attends que grand-père le remarque. Et là, j'espère que lui et mon père convaincront ma mère d'accepter. Tu sais, mon père et moi, on a croisé un certain nombre de Valkyries. Hein? Quoi? Où? Je veux que tu me dises tout, promets-le-moi. Je te le promets. Mère, as-tu rencontré Loki? Oh, alors il t'a aussi impliqué dans cette histoire? Impliqué dans quelle histoire? Je me montre amical. C'est pas ça, la diplomatie? Tu comprends qui il est, n'est-ce pas? Ce qu'a fait son père. Pourquoi le veut-il ici? Maman! Arrête, c'est gênant. Nous en reparlerons plus tard. Ne fais pas ça. Excuse-la. Les mères, tu sais. Bref, tu voulais encore voir quelque chose ou il faut que tu te mettes au travail? Il y a comme un goût dans l'hydromel. On peut voir autre chose, mon biche. Comme si le mien était cassé. Ce serait pas si bien à l'envier. Tu veux plus rien dire? Pitié, ne m'impliquez pas dans vos minables tentatives pour vous impressionner l'un l'autre. Hein? Hé, hey, tu crois pas l'avoir assez vu pour aujourd'hui? Allez, viens. Beaucoup plus poliment que ça, oui. J'ai pas trop voulu insister, ceci dit. Ok. Ouais. Écoute-moi, peu importe ce que te fait faire grand-père, rappelle-toi. C'est l'occasion de faire tes preuves. C'est tout ce que peuvent souhaiter certains d'entre nous. Oh, d'accord. Je vais faire de mon mieux. Mais comment Loki peut oublier Kratos et tout? Putain, c'est un malade. Hein. Il rend chèvre. Hein. Il rend chèvre. À plus tard. Oui, je comprends. Oui. Me vois-tu hocher la tête et te dire oui, je comprends? Hein? Oui. Oui, d'accord. Tu vois, là, tu ne me laisses pas parler. Non, Ugin. Je n'ai pas de problème d'audition. Je veux que tu cesses de croasser et que tu acceptes vraiment la réponse que je vais te donner. Je ne faisais que regarder. Cette vieillerie, je l'ai depuis... Oh, bien trop longtemps. Tu as un nom? Ingrid. Vraiment? Ouais, pourquoi pas. Prends-la, si elle te plaît tant que ça. Je peux? Vois cela comme un cadeau de bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Et après, c'est moi le méchant. Viens, marchons. Oh là là, on a une épée. Y'a pas de quoi. Marcher avec Odin. Incroyable. Tout le monde se trompe sur moi. Tu penses que la guerre m'anime? Le pouvoir? L'argent? Non, pas du tout. La faille. Ce que je veux vraiment, des réponses. Tout comme toi. Vois-tu, pour les mortels, c'est simple. Quand ils se heurtent aux grandes questions de la vie, ils se tournent vers nous pour leur donner un sens. La sagesse divine. Tu parles d'une imposture. Mais nos questions à nous. Pourquoi sommes-nous ici? Pour donner aux mortels des réponses que nous n'avons pas? Non. Nous sommes plus que cela. Et j'ai quelque chose qui le prouve. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui m'anime. Tu le sens, n'est-ce pas? On dirait... du savoir. La vérité. La vérité,
toutes les réponses. Ce que nous faisons ici, comment changer nos destins, le sort, arrêter le Ragnarok pour de bon, et sauver les gens qu'on aime. Comment ? J'étais un jeune dieu quand je l'ai trouvé. J'ai passé 1000 vies à l'étudier, à suivre toutes les pistes jusque dans l'impasse. À chercher et enfin découvrir ceci. Tu vois, ils partagent la même énergie mystique. Il y a une fissure. On pourrait jeter un œil. Je ne te le conseille pas. À quoi sert le masque brisé ? Reconnais-tu ces inscriptions ? Ça ne vient pas des 9 royaumes. Brûlé... Obsidianis Pisa. De terre brûlée et flamme d'obsidienne. Et un champ de bataille jamais mené. Tu en es sûr? Car si c'est un indice, je sais ce qu'il veut dire. Ah oui, quoi? Viens, travaille avec moi. Et tu le sauras. Tu n'auras à tuer personne. Tu n'auras à trahir ni ton père, ni toi-même. Allez, je le sais, tu l'as ressenti tout comme moi. Les réponses sont ici, pour nous. Regarde, tu as traduit ce langage en un rien de temps. Mettons que j'accepte. Et après ? Thor ! Viens ici ! Père de tout. Mais ça va pas, non ? Après, eh bien, ta quête commence. Prends ça. Et ce gros tas de viande furtive. Et vois où cela te mène. Je ne peux rien vous promettre. Fadaise, amuse-toi bien. Et toi ? Sois aimable avec lui, c'est compris ? Attends, je vais me battre avec Thor ? What ? Thor, ça va devenir un compagnon ? Non mais là les gars, le jeu est pour une autre tournure ! Muspelheim ? Le reste du masque est ici ? Si le père de tout nous a amenés là, à ton avis, prends cette chose et fais ce qu'on te demande. Ok. Bon, où est-ce qu'on va ? Comment tu veux que je sache ? Le père de tout croit que tu sais ce que tu fais, alors fais-le. Le masque résonne avec votre objectif et brille lorsque vous suivez le bon chemin. Trop bizarre. On dirait qu'on passe à travers ce rocher. Je vais m'en occuper. Avec ses bras. Falaise ardente. Voyons un peu ce que vous dites. Wouah! Non, en fait, c'est l'épée, mon compagnon! T'es doué? Tu es plutôt lent. Tu veux pas m'aider? Ok. Très bien. Non, non, non. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré les gars, vous inquiétez pas. Nous sommes censés aller maintenant. Je vais regarder. Ok. Là-haut. Ouah. On dirait qu'il y a un rebord qu'on peut atteindre. Si on... Trop lent. Hé hey ah Tu ne peux pas attraper les gens comme ça. Que devais-je faire? Te jeter? La journée ne fait que commencer.
hors de mon chemin. Et ça, ça dégage. On se bat avec corps, les gars, c'est incroyable. Qui ces choses causent une barbe de flamme. Utilise vite ton arc. Là-haut, des flèches, vite. Ok. Ok. Alors attends. Oh là là, c'est trop stylé de tout utiliser en même temps. Tu sais, ton père a payé le prix du sang pour ce qui est arrivé à mes fils. Mais toi... Que veux-tu dire ? Plus tard. Ne faisons pas attendre. Masque. Oui. Ok. Les amis, je veux voir par là. Là, il y a un petit coffre. Ou en tout cas, il y a quelque chose. Ah, bon, c'est verrouillé. Ce n'est pas par ici. Ah, il y a un petit coffre. Oh, wow. On prend. Est-ce et on va s'arrêter là. Une enclume. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Bisous. Et on se retrouve très vite en enfer. Bye bye tout le monde.